relativement pudique sur sa vie sentimentale depuis son divorce avec le père de ses filles, Vincent Cassel, en 2013, et après sa séparation avec son ex-compagnon Nicolas Lefebvre, Monica Bellucci a décidé de s'ouvrir sur le sujet. Ce lundi 26 juin, dans les colonnes du magazine Elle, l'actrice et mannequin de 58 ans a révélé qu'elle avait retrouvé l'amour, dans les bras d'un célèbre réalisateur et producteur américain. La maman de Deva et de Léonie est ainsi en couple avec Tim Burton, qui signera le deuxième volet du film fantastique Beetlejuice, dans lequel elle sera et qui sortira au cinéma en septembre 2024. Auprès de nos confrères, Monica Bellucci a évoqué son rôle dans le film du cinéaste, qui a également pour star Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder et Willem Dafoe, en officialisant au passage sa relation sentimentale. Ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord, a-t-elle lancé au sujet de l'ancien compagnon d'Helena Bonham Carter, âgé de 64 ans, avant de détailler, avec tendresse, c'est l'une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je l'aime, et maintenant, je vais rencontrer le réalisateur, c'est une autre aventure qui commence. Visiblement éperdument éprise de son chéri qu'elle admire, même si leur histoire semble relativement nouvelle, la comédienne a ajouté auprès du magazine Elle, « Moi, j'aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton. » Supérieur à l'évolution physique de Monica Bellucci, une histoire d'amour qui avait été rendue publique par Paris Match en février dernier, Paris Match annonçait déjà que les tourtereaux étaient ensemble, en précisant que leur relation avait débuté en toute discrétion, il y avait déjà 4 mois. Nos confrères avaient indiqué que Monica Bellucci et le célèbre réalisateur des films Alice au pays des merveilles, Les Noces funèbres ou encore Eduardo Mains d'Argent avaient fait véritablement connaissance en octobre dernier, pendant le festival Lumière de Lyon. Ils s'étaient déjà croisés en 2006, au Palais des Festivals de Cannes, un an avant que Tim Burton n'accueille dans sa vie son deuxième enfant, fruit de son ancien amour pour la comédienne britannique Helena Bonham Carter. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Pascal Fayolle.